filtre, s'il vous plaît. Et que ça saute. Allume donc la radio, c'est plus gai. Bonne idée, Dupont. Et n'oublie pas de demander quelques gouttes pour mon briquet. La crise du pétrole. L'inexplicable altération de la qualité de l'essence crée un début de panique. Les compagnies de navigation aérienne ont décidé de suspendre le trafic en raison des dangers d'accident. N'hésitez pas à appeler Simone, une dépanneuse viendra vers vous. Boum boum quand votre moteur fait boum. Oh, la situation est catastrophique pour nous. La société Speedol est le principal importateur de pétrole du pays. Or, en deux mois, la consommation a diminué de 65%. Et à votre avis, à quoi peut-on attribuer ces explosions? Voilà la grande question. Nous avons envoyé des experts au Kemed, mais pour l'instant, le phénomène reste inexpliqué. Oh, vous permettez? Oui, j'écoute. Monsieur le directeur, le laboratoire vous demande. Ah, c'est notre chef de laboratoire. Ses recherches étaient sur le point d'aboutir. Allô? Oui, comment? S'il faut continuer les recherches, mais naturellement. Mais pourquoi cette question? Mais parce que dans ce cas, monsieur, il faudrait songer à installer de nouveaux laboratoires. C'est forcément un sabotage, Milou. Et qui plus est, avec un produit qui ne laisse aucune trace. Il faudrait se rendre à l'endroit où la Speedol stocke son pétrole. Les réservoirs. Oh, je commence à avoir froid. Cela fait 3 heures que je suis ici et rien n'a bougé. Du moins, jusqu'à présent. Ah, tu es là. Tu as ce qu'il faut. Le Speedol Star appareille demain pour le Kemed. Transmets ça à notre contact là-bas, c'est primordial. On n'a pas le droit à l'erreur. Ne t'en fais pas. Quelqu'un nous écoutait. Sortez de là! Votre compte est bon. Ah, je pourrais faire ça. Tout va bien, ce n'était qu'un chien. Ne restons pas là plus longtemps. On pourrait nous surprendre. Je l'ai échappé belle. Reste à savoir comment monter à bord du Speedol Star. Ah, c'est vous le nouvel opérateur radio. Bien. Prenez votre couchage et intégrez vos quartiers. À vos ordres, capitaine. Aider l'émir du Kemed à lutter contre les terroristes, voilà ce que j'appelle une mission, Dupont. Je dirais même plus une mission de police secrète qui demande de la discrétion. Et maintenant, il s'agit d'ouvrir l'œil, Dupont. Quelle bonne idée que d'avoir revêtu ces tenues de marin. Ainsi, personne ne pourra nous reconnaître. Essayons maintenant de ne pas attirer l'attention. Je dirais même plus, essayons de ne plus étirer les tensions. Dupont et Dupont? Chut, nous voyageons incognito. Faites comme si on ne se connaissait pas. Allez, viens, Dupont. Nous allons demander à cet homme de nous indiquer notre cabine. Dites donc, mon brave. La prochaine fois, appelez-moi capitaine. Oh, quel brute! Bon, eh bien maintenant, il s'agit de ne plus se faire remarquer. Je dirais même plus, Dupont. Il ne faut plus se faire remarquer. Allons nous mêler discrètement à l'équipage. C'est le chien que j'ai vu hier soir. Il faut être prudent. Je vais chercher une meilleure cachette pour le colis. Police? Hein? Quoi? Comment? Pardon? Mais comment le savez-vous? Je suis de l'intelligence service. Mon métier est de tout savoir. Oh! Oh! Bon, écoutez, je crois que je suis repéré. Et j'ai peur qu'on me vole certains documents secrets. Je voudrais vous demander un service. Pourriez-vous vous charger de ces papiers? Avec plaisir, mon cher collègue. Vous pouvez compter sur moi. Bien. Gardez-les jusqu'à notre arrivée au Kemed. Et surtout, pas un mot. C'est bien compris? Motus et bouche cousue, telle est notre devise. Je dirais même plus, botus et mouche cousue, telle est notre valise. Ici le Speedol Star. Je vous reçois à vous. Message reçu. Fin de communication. Voyons ce message. Bon, il n'y a rien d'urgent, ce sera tout pour ce soir, mon garçon. Allons, debout, Milou. C'est l'occasion ou jamais de rechercher notre Lascar et ses fameux documents. Milou? Milou? Oh,
chloroforme. Mais qu'est-ce que ce tampon doit... Oh, Milou, on a enlevé Milou. 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 Je t'aurai, sale bête, je t'aurai. Oh non. Oh, mon pauvre Milou. Oh, aïe. Un rat. À nous deux. Hein? Oh, laissez-moi vous expliquer. C'est ça, expliquons-nous. Ah, tu vas voir si je t'attrape. Oh, oh. Milou. Oh, Milou. Misérable, vous vouliez noyer mon chien. Quel chien? Ce chien. Le chien, chien, chien dans, chien dans. Danton et Robespierre qui roulent la masse pommousse. Pauvre homme, il a perdu la raison. Quel ennui, c'était notre seule piste. Capitaine. Je suis le colonel Mohamed de la police militaire. Nous avons ordre de perquisitionner à bord. Bon, allez-y. Nous allons fouiller votre cabine. Je vous en prie, faites. À toi de piocher. Police militaire. Et que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Mais que peuvent-ils donc chercher? Je n'aime pas ces manières. Oh, les documents secrets. On nous a eu. Ce n'était pas des documents secrets, c'était des diamants secrets. Très intéressant, ça. Hein? Une livraison d'armes au Cheikh Bab el-Hir. Embarquez-moi cet individu. Les services spéciaux l'interrogeront. Mais je suis innocent. Mais enfin, laissez-nous, voyons, nous sommes de la police. C'est ça, et moi du KGB. Je crois bien que nous avons commis une grossière erreur, mon cher Dupont. Le jeune homme est celui que vous cherchez. Il était chargé d'une mission importante auprès de Bab el-Hir. C'est bien. Notre puissant cheikh saura te récompenser lorsqu'il aura pris le pouvoir. Bienvenue, je suis le cheikh Bab el-Hir. Vous êtes Bab el-Hir? Mais qu'est-ce que je fais ici? Béni sois-tu d'avoir embrassé notre noble cause. Alors, quand arriveront ces armes? Des armes? Quelles armes? Mais alors, tu m'as menti, fils de chien. Cet homme est un espion. Nous levons le camp. Quant à lui, il vient avec nous. Il nous servira d'otage. En route, en route, en route! Il s'en est fallu de peu, Dupont. Oui? Heureusement qu'ils ont vérifié nos papiers et que tout était en ordre. Maintenant, il nous reste à sortir ce pauvre Tintin des mains de Bab el-Hir. Et toucher la prime de 2000 livres pour la capture de ce bandit. Oh, regarde! Une oasis! Nous allons nous y arrêter pour y remplir le radiateur. Oh! Ça, Perlipopette, c'était un mirage. Nous avons tout de même bien roulé, voilà telle alouette. Nous nous y arrêterons pour voir. Hein? Oh, zut! Encore un mirage! Oh, regarde, encore un! Décidément, ils exagèrent, mais cette fois, ils ne mourront pas! Oh. Allah est grand. Voilà le puits Biralambic. Allez, dépêche-toi! Malédiction. Le puits est à sec. Non, non. De l'eau, de l'eau. Le prisonnier s'est évanoui. Défais ses liens et qu'on l'abandonne. Regarde, Dupont. Oh, un lac. Je parie que je plonge plus loin que toi. Ah, chiche. À vos marques, prêts? Plongez. Yeah.
Milou. Oh non, les bandits. Ils nous ont abandonnés. Allons, Milou. Essayons de nous tirer d'affaire. De la nuit glaciale. Impossible de... Oh, des cavaliers. Hé, hey, par ici. Ils ne m'entendent pas. Les voilà qui s'arrêtent. Oh, hé. Comme c'est étrange. Que font-ils en pleine nuit? Oh. Oh non. Ils ont fait sauter le pipeline. Ansef, l'alerte va être donnée. Ahmed, dépêche-toi. Cette voix, je connais cette voix. Dépêche-toi, Ahmed. Et Ahmed, il ne nous suit pas? Ah, le voilà qui arrive. Séparons-nous ici, de cette façon nous brouillerons les pistes. Ahmed, tu viens avec moi. Allons-y. Cette voix, où donc ai-je entendu cette voix? Yaha! Capte mon cheval. Je reviens tout de suite. Que va-t-il faire? Mon pauvre Ahmed. Un petit miroir est parfois bien utile pour voir ce qui se passe derrière soi. Tintin! Je vais une fois pour toutes lui faire passer l'envie de s'occuper de moi. Ton heure est arrivée. Adieu, Tintin. Tonnerre, une jeep. Serait-on déjà sur ma piste? Attention à ces rochers, Dupont! Nous ne devons plus courir le moindre risque avec ces mirages! Tu as raison, méfiance. Ouf, les voilà passés. Et maintenant, vite, occupons-nous de ce Tintin. Tonnerre! Voici de nouveau abandonné dans le désert. Des traces de pneus? Ça, c'est de la chance. Le sable et les cailloux ont été jetés de ce côté-ci. Donc, la voiture allait par là. En route, Milou! Ça va mal, Dupont. Il nous faut absolument arriver quelque part, sans quoi... Sauver! Oh, regarde! Les traces d'une voiture! Tu as raison. Et cette fois, ce n'est pas un mirage. En jugé par ces traces, nous sommes sur une route très fréquentée. Nous sommes certainement tout près d'un grand centre. Nous sommes tombés sur une véritable piste, Milou. Mais voilà qui est bizarre. Ces traces sont absolument identiques. Alors, ce serait la même voiture qui tourne en rond? Hé! Halt! Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée. Ben, nous allons être fixés. C'est un bidon d'essence. Quelqu'un a dû le perdre en route. Ça, c'est de la chance. Saperlipopette, nous avons aussi perdu notre bidon. Il ne nous reste plus qu'à faire demi-tour et aller le chercher. Oui, oui, tu as raison. Eh bien, les occupants de cette voiture ont dû perdre leur chemin tout comme moi. Oh!
Le Khamsin. Impossible de continuer, Milou. Plus qu'une chose à faire. S'arrêter et attendre la fin de la tempête. Allez, viens par là. J'ai entendu quelque chose. Un bruit de moteur. Il y a quelqu'un. Oh, par ici. Oh, on ne peut plus continuer ainsi. Il faut relever le pare-brise et fixer la capote. Attention, ne la laisse pas filer. Ah, sois tranquille, je la tiens. Oh, ce sable. Par ici. Oh, que m'est-il arrivé? Ça, par exemple, le chapeau d'un des deux Dupont. Alors, c'était leur voiture. Jamais ils ne m'entendront avec ce vent. Dupont! Dupont! Dis donc, tu as entendu? Qu'est-ce que c'était? On dirait qu'il y a quelqu'un qui crie notre nom. Étrange, non? Allons, allons! Encore un mirage, mon pauvre vieux! Si tu le dis, alors continuons! Dupont! Ah, bah ça, alors encore un mirage! Dis donc, Dupont, est-ce que tu crois que ça parle, un mirage? Mais non, un mirage, ça se voit, ça ne s'entend pas! Mais alors, c'est écrit... Tintin! Dupont et Dupont! Mon chapeau! Je voudrais pouvoir dormir comme lui. Oui, mais c'était pas le moment. J'espère que tu n'auras pas à regretter ta décision. Au revoir. Le docteur Müller. Tu es ici au sujet des événements qui se sont produits sur le marché? Oui. Son Altesse t'attend. Que fait-il ici, le Forban? Il s'agit d'ouvrir l'œil. Salam alaikum, puissant émir Mohamed Ben Kali Shehzad. Alaikum et salam. Assieds-toi. Et dis-moi ce que tu désires, jeune étranger. Voici, Altesse. Hier, une jeep dans laquelle je me trouvais, qui était pilotée par deux de mes amis, est entrée dans cette ville. Je suis au courant. Ils subiront la bastonnade. Noble émir, je suis venu vous demander leur grâce. Depuis des jours, ces hommes roulaient dans le désert. Ils étaient perdus et à bout de force. Bon, bon. Nous verrons cela. Mais dis-moi, que faisaient-ils dans le désert? Et toi-même, pourquoi es-tu ici, vêtu comme un bédouin? Oh, c'est une longue histoire, Altesse. J'aime beaucoup les histoires. Commence, je t'écoute. Tout a commencé dans mon pays par une inexplicable altération de l'essence. Et c'est Müller qui dirigeait les hommes qui ont mis le feu au pipeline. Müller? Tu dois sûrement confondre avec Babelherr. Ce bandit cherche à me renverser avec l'appui de la Skoil Petroleum. Puis-je vous demander ce que Müller faisait ici, votre Altesse? Eh bien voilà. Müller veut que je lui signe un contrat de vente de pétrole pour la Skoil Petroleum. Je crois que j'ai compris, Altesse. C'est sûrement la Skoil qui organise le sabotage de l'essence de ses concurrents. Si vous signez, plus d'attentats. Mais alors la Skoil deviendrait toute puissante. Pourquoi refuserais-je de signer ce contrat? Ce serait une grave erreur. Imaginez ce qui se passerait en cas de guerre, votre Altesse. Cela pourrait menacer la paix dans le monde. Tu as raison. Et puis, je n'aime ni ce Müller, ni sa compagnie. Inch'Allah, je ne signerai pas. Tu m'as ouvert les yeux, jeune étranger. Comment puis-je te récompenser? Je ne vois qu'une chose, Altesse. Gracier mes amis Dupont et Dupont. Considère que c'est chose faite. Eh bien, Milou, on commence à y voir un peu plus clair dans cette sombre affaire d'or noir. Tout ceci est fascinant. Continue ton histoire. Tu en étais au moment où les saboteurs mettaient le feu au pipeline. Bien. Alors, ils sont revenus en courant et l'un d'entre eux...
Seigneur, ton fils, il a disparu. Si tu connaissais mon fils, tu rirais comme moi. C'est le plus extraordinaire petit diablotin qu'on ait jamais vu. Mais viens avec moi, je vais te le présenter. Abdallah, où es-tu, mon petit trésor? Il ne manque pas d'imagination. Tous les jours, il invente des farces nouvelles. Abdallah, ma petite gazelle. Allons, montre-toi. Tiens. Espèce de petit coquin, si tu ne te montres pas immédiatement, tu seras grondé. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un jeu, Altesse. Que veux-tu dire? Votre fils portait-il un vêtement bleu? Un vêtement bleu? Non, ne portant que du noir. Pourquoi cette question? Voici un morceau de tissu bleu que je viens de découvrir. Quelqu'un a dû s'infiltrer dans le parc et y laisser ceci en prenant la fuite. Il y a des traces de pas profondes au pied du mur, comme si quelqu'un avait sauté. Et regardez, le mur était raflé. C'est à cet endroit qu'ils ont dû le franchir. Mais qui ils? Ceux qui ont enlevé votre fils, Altesse. Enlevé? Mon fils, mais tu es fou! Pourquoi aurait-on enlevé mon fils? Ah, pourquoi? C'est insensé! Seigneur, un cavalier vient d'apporter cette lettre. Oh non, c'est incroyable! Tiens, lis cette lettre, mon pauvre petit oiseau en sucre! Excusez-moi, Altesse, mais c'est de l'arabe et... Ah oui, donc je vais te la traduire. À Mohamed Ben Kali Chezab, si tu tiens à revoir ton fils vivant, chasse la spidole de ton territoire et c'est signé Babelher, le chien galeux. Oh, Abdallah, mon petit chéruba. Oh, la poudre éternuée, c'est une des dernières trouvailles de mon petit chou à la crème. Allons, Altesse, calmez-vous. Il nous faut agir au plus vite si nous voulons avoir une chance de le retrouver. Oui, tu as raison. Qu'on fasse venir le seigneur Yosef. Voici Yosef Ben Molfrid, mon conseiller militaire. Un cigare? Et vous, Tintin? Non, merci, je ne fume pas. Eh bien, seigneur, voilà, 300 cavaliers sont prêts à partir. Le cher petit ange a remplacé ma vanne par des cigares surprises. Le misérable petit ver de terre. Quand je le retrouverai, je le serrerai très fort contre moi. Ne te tourmente pas, seigneur. J'ai déjà donné ordre à quelques éclaireurs de relever leurs traces. Nous te ramènerons ton fils, même si pour cela nous devons traquer Babelier jusqu'au Nouveau Monde. Puisse-t-il retrouver cet enfant Babelier? Peut-être, mais cela ne vous rendra pas votre fils. Comment? Que dis-tu là? Ce n'est pas Babelier qui a enlevé votre fils. Mais tu as vu la lettre signée de son nom? Oui, je l'ai vue, Altesse. Mais cette lettre, qui nous prouve qu'elle a été écrite par Babelier? Connaissez-vous son écriture? Mais bien sûr que non. Si vous voulez mon avis, votre Altesse, je crois que le docteur Muller n'est pas étranger à tout ceci. Mais alors pourquoi as-tu laissé partir nos guerriers? Tout simplement pour faire croire aux ravisseurs que leur ruse a réussi. De cette façon, ils ne se méfieront pas. À propos, avez-vous une photographie du prince Abdallah? Voilà son dernier portrait. Pauvre chérubin, ces séances de pose étaient pour lui un véritable supplice. Le peintre est devenu fou peu après. Encore un tour de ce petit démon. Oh, ce cher petit agneau. Ne vous en faites pas, Altesse. À présent que je connais les traits de votre fils, je vais partir à sa recherche. Rhume ou poudre à éternuer? Sa perlipopette. Mais c'est le seigneur Olivera da Figuera. Très bien, je vais recommander des patates à roulettes. Excusez-moi, l'homme qui éternuait, sauriez-vous par hasard où il allait? Mais naturellement, il allait au palais du docteur Muller, cet homme des serviteurs. On dirait qu'il y a une véritable épidémie parmi eux. Mais entrez donc, mon jeune prince. Vous avez certainement besoin de quelque chose que vous trouverez chez moi. À vrai dire, seigneur Olivera da Figuera, je n'ai besoin de rien. Tchao, Tintin! Ça, par exemple, quelle magnifique surprise! Ah, mais il faut arroser cela. Eh bien, monsieur Olivera, je suis content de vous revoir.
Racontez-moi comment vont vos affaires depuis tout ce temps. À vrai dire, je me débrouille pas trop mal ici. J'ai la clientèle de tous les notables de la région, sauf l'émir, bien entendu. C'est d'ailleurs là mon grand regret. Il a ses propres fournisseurs. Parlez-moi du docteur Muller. Ah, c'est l'un de mes meilleurs clients. À part les Francs, c'est un homme dur et cruel. J'aimerais lui rendre une petite visite. Voyons, Tintin, c'est vraiment pas un endroit pour étrangers. Le docteur Muller, il est entouré des gardes armés jusqu'aux dents. Voudriez-vous devenir le fournisseur attitré de l'émir? Naturellement. Et que faut-il faire? M'aider à retrouver le prince Abdallah et pour cela me faire pénétrer chez le docteur Muller. Mon Dieu, y a rien de plus facile. Je vais chez lui tous les matins. Milou! Bonne idée que d'avoir laissé Milou chez vous. Il était difficile de les déguiser. J'espère seulement qu'il ne fera pas de bêtises. Êtes-vous vraiment sûr de pouvoir distraire les gars? Ne vous en faites pas pour ça, Tintin. Faites-moi confiance. Salam alaikum, Mourad. Comment allez-vous par cette belle journée? Qui est ce jeune étranger? Ça, c'est mon neveu, Alvaro. À vos souhaits. Et dites donc, j'ai justement ce qu'il faut pour vous, là. Magnifique lot de mouchoir. Mes chers amis, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon neveu, Alvaro. Qui vient d'arriver du Portugal. Tiens, à vos souhaits. Alvaro, il est un garçon exemplaire, brave et toujours sage comme une image. Il est orphelin, le pauvre petit. Je l'ai recueilli chez moi. Entre nous, il est un peu, comment dire, un peu simplet. Ce qui n'a rien d'étonnant après tout ce qui lui est arrivé. Allez, sois gentil, mon petit Alvaro, va jouer au jardin. Hein? Oh, mes amis, une histoire épouvantable. Figurez-vous que son papa, qui était un grand éleveur d'escargots, il voulut un jour explorer le monde. Personne, tout va bien. Alors son papa, qui avait épousé la fille de l'armateur da Costa de Lisbonne, se trouva entraîné dans une aventure invraisemblable. Un jour... La clé sur la porte, la porte fermée de l'intérieur, et personne dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? La direction de la Spidol n'a aucune explication à fournir concernant l'essence explosive. Pourquoi le docteur Muller s'intéresse-t-il tant à cette affaire? Ah, la malheureuse jeune femme ne s'en remit jamais. Elle mourut minée par les chagrins à 97 ans. Sale petite peste, de la poutre à éternuer. Ah, quel môme infernal! Tonnerre, feu filet, salpette. Sortez de là, ou je tire. Et son mari, le cœur déchiré, l'a suivi de près dans la tombe. Mais les effroyables malheurs de cette pauvre famille ne s'arrêtaient pas là. Qui es-tu? Mon nom est Alvaro, je suis... Tintin! Cette fois, mon ami, ton compte est bon. C'est le moment du compte intervient. Dit-il en portugais. Allô? Je souhaiterais parler à l'émir. Tintin, mon fils, chez le docteur Muller. Altesse, envoyez des hommes à Vadesda. Et faites cerner le palais du docteur. Moi, en attendant, je vais essayer de libérer votre fils. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir de plus près. Des galeries bétonnées, un véritable bunker. Chef, c'est vous? Bien, c'est curieux. Halte! Et les mains en l'air, ou je tire. Allez, plus vite que ça. Et maintenant, tu vas me conduire à l'endroit où se trouve le fils de l'émir. Ça y est, en arrière, face au mur, et les mains en l'air. Vite, Abdallah, je vais te conduire chez ton papa.
Je retourne pas chez mon père. Oui, allez, vas-y. Allons, Abdallah, viens vite. Non. Abdallah, au nom du ciel, Abdallah, ouvre cette porte. À lui. Chef, le prince a été délivré. Va faire tirer les autres et faites le tour par l'autre issue. Et sans hésiter, il ouvrit la porte et le spectacle qui s'offrait à lui les glaça dans la boue. Vite, avec moi. Dites si vous voyez mon neveu, renvoyez-le chez moi. Pauvre Tintin, que va-t-il lui arriver? Milou, mais comment a-t-il fait pour s'échapper? Allez, viens! Oh, des trucs pour jouer au train! Tu joueras plus tard! Non, tout de suite, je veux jouer au train! Tchou, tchou, tchou! Abdallah! Veux-tu cesser, oui ou non? Tchou, tchou! Non, méchant! Laissez-moi! Laissez-moi! Lâchez-le, mulet! Occupe-toi de lui! Eh bien, j'ai eu chaud. Oh, des explosifs. Ma parole, cette voix, c'est... Mille millions de mille savants. Capitaine Tintin. Eh bien, comme accueil, c'est réussi. Oh, Milou. Il a flairé votre piste. Jamais on ne vous aurait trouvé dans ces tunnels sans lui. Mais vous, comment êtes-vous ici, Capitaine? Eh bien, voilà, je vais vous expliquer. Figurez-vous que... Votre Altesse, que se passe-t-il? Le docteur Müller, oh, il s'est enfui en auto, emmenant avec lui mon petit trésor en sucre. Des amis à moustache le poursuivent, mais je crains qu'il n'arrive pas à le retrouver. Altesse, pouvons-nous emprunter votre voiture? Mais bien sûr. Pourvu que vous me ramenez mon petit chaud à la crème. J'ai très soif. Et alors, moi aussi j'ai soif. Je veux une crème glacée. Hé hey comment je suis ici? Eh bien, c'est à la fois très simple. La Jeep des Dupont. Eh bien, mais qu'est-ce qui t'a pris, Dupont? Pourquoi tu es descendu en marche? En marche? Mais cette voiture qui nous a dépassés roulait tellement vite que j'ai cru que nous étions arrêtés. Regardez, ce doit être Müller. Rendez-vous, Müller. Cette fois, vous êtes pris. Pris? Pas encore. Un bras de plus et tant pis pour le camin. Écartez-vous de la voiture. De toute façon, vous êtes perdu, Müller. Attends, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Espèce de sale brute, voleur d'enfants, pirate, anacolute, ectoplasme. Abdallah, change tout, vite, capitaine, occupez-vous du petit. Petit chien, bien joué avec toi. Petit, restez tranquille.
sont. Tiens, vilain barbu. Oh, espèce de petit ornithorac. Muller, vous êtes pris, regardez cette Jeep qui arrive, c'est la police. Il faut que je me débarrasse du N14. Vous ne mourrez pas vivant, Tintin. Vous entendez? Non, malheureux, ne faites pas ça. Non, Muller. C'était mon revolver à encre. Oh, cette course en plein soleil m'a donné une migraine épouvantable. Et qu'est-ce que c'est que ça? Un tube d'aspirine. Oh, il tombe à pic, celui-là. Un comprimé et hop, fini notre migraine. Dupont et Dupont, j'ai un passager pour vous. Muller, comment on se retrouve? Allez, montez. Oh, ça doit venir de l'aspirine. Quoi? Oh, le goût, tu ne trouves pas? Oh, tu sais, ça n'est jamais très bon, ces machins-là. À vrai dire, je ne me sens pas très bien. Je dirais même plus. Tenez bon, mes amis, nous ne devrions plus tarder à arriver à l'hôpital. Ils trouveront bien ce qu'il y a dans ces pilules. Détruisez ces aspirines au lieu de les faire analyser et votre fortune est faite. Ainsi, ces comprimés vous appartenaient. Je regrette, ils seront analysés. Chou-chou, chou. Silence, mon petit agneau, c'est l'heure des informations. Le mystère des explosions est à présent entièrement éclairci. Une puissance étrangère avait mis au point un produit, le N14, pour saboter les réserves de pétrole dans le monde. Les explosions constituaient une répétition générale en vue de la guerre que projetaient les... Vous imaginez ce qu'ils auraient pu faire s'il y avait eu la guerre? Sans essence, toutes les armées auraient été réduites à l'impuissance. Le professeur Tournesol a mis au point un contre-produit pour neutraliser les effets du N14. Les réserves mondiales de pétrole sont désormais hors de danger, tout comme les détectives Dupont et Dupont qui sont en voie de guérison après avoir malencontreusement avalé un comprimé de N14. D'autres nouvelles suivront dans notre... Ton danger est écarté, je crois que cela mérite un bon cigare. Mais, capitaine, nous ne savons toujours pas comment vous êtes intervenu dans cette affaire. Eh bien voilà, c'est à la fois très simple et très compliqué. Encore une farce d'Abdallah. Il m'avait pourtant promis qu'il serait bien sage. Oh, quel adorable bambin, n'est-il pas vrai? Adorable? Adorable? Ne comptez pas sur moi pour connaître la suite de mon histoire. Cette fois, mille sabords, c'est fini, bien fini.